Bonsoir à tous, bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, je suis sur Fantôme. Donc je vais vous donner un sell sur Fantôme. Ceux qui veulent prendre le sell. D'accord? Ceux qui veulent prendre le sell sur Fantôme, il y a un petit sell à prendre avec un pourcentage que je vais vous calculer. Donc là, sur Fantôme, ici, on va aller rapidement en H4 pour vous montrer. H4, donc là, j'ai une hausse ici qui m'a marqué ici un BC. Là, j'ai eu un retracement qui m'a marqué le AR. D'accord? Là, j'ai un break of structure. J'ai un break de structure ici. Là, structure mineure, bien sûr. Là, j'ai une hausse qui est venue rechercher ici la liquidité du BC. A pris la liquidité du BC. D'accord? Il y a un sell à tenter pour aller chercher en dessous de ce AR-là. D'accord? Pour aller chercher ça. Le saut qui est là, au 1,618 ici. OK? 1,618 là. Donc ici, il y a une performance de un sell. 6 valide, un sell de pratiquement à prendre de 80%. Donc ensuite, on va aller ici. On va pas aller plus bas que ça, hein, donc je vous le dis. Hein, je vous le dis à l'avance. On va ici breaker en dessous de ça et possibilité d'aller chercher ici. Ou on peut s'arrêter là, si vous voulez prendre vos profits avant, vous les prenez juste en dessous de la ligne jaune. Là. La ligne jaune qui est à, parce qu'ils aiment bien les chiffres, à en dessous des 0,9422. Et là, en ce moment, il est à deux, pratiquement à 1,80 si je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Il est à combien? 1,93. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en petite unité de temps pour vous montrer. Je vais aller en 15 minutes. 15 minutes, j'ai quoi ici? On a pris la liquidité de l'ATH. La liquidité, l'ATH, il était là. Donc, on a pris la liquidité de l'ATH ici. OK? Donc là, ici, on a une chute ici. Donc, une attention de marché baissière. Intention de marché baissière. Donc ici, j'ai première intention de marché. J'ai un petit break de structure ici qui me donne l'information ici que ce mouvement est très grand. Regardez, ce mouvement baissier est plus important que tous les autres mouvements baissiers. Donc déjà, ça me donne une information. Déjà d'une. De deux, ici, j'ai un break de cette structure-là. Donc possibilité, bien sûr, j'ai tracé ici ce petit rectangle ici. Donc, je vais me mettre ici. Donc, je vais en monter ces lignes-là pour que vous ayez les prix plus facilement. Donc, la zone où il faut rentrer en position de préférence à voir, donc, ce serait plutôt celle-ci. Donc, c'est à tenter. Attendre que le prix revienne ici sur cette zone-là et voir ici ce que le prix fait. D'accord? Soit le prix... Il va aller plus haut, prendre encore la liquidité de ça. Ok, soit il va prendre la liquidité ici, mais pour l'instant, on peut intervenir là avec un SL qui soit serré dans cette zone-là. Vous voyez cette zone-là? Objectif, intervenir là, dans cette zone-là. Donc, bien sûr, vous gérez le risk-reward, vous ne mettez pas all-in, bien sûr. D'accord? Vous mettez une partie, un pourcentage. Je ne sais pas, par exemple, vous avez 1000 euros, et bien là, vous rentrez avec 100 euros, 10% maximum. Maxi, hein, 10% par exemple. Si j'ai 1000 euros, je rentre avec 100 euros max. Avec un SL serré, ça veut dire qu'au pire des cas, si le prix il part trop haut ici, et bien je sors avec une toute petite perte. Ok? Par contre, s'il descend, le potentiel de gain, je vous l'ai montré, il est de 80%. Sinon, vous rentrez ici, vous prenez un levier pas trop important. Levier 3, levier 5. OK? Levier 10 maximum. N'allez pas prendre du 50, du 100, du 125. Faites pas les fous. On tente le sell. Il peut passer. D'accord? En tout cas, j'ai des confirmations qu'il peut passer. Donc, la zone d'intervention, elle est là. Entre 2,01 et 2,04. Là, regardez. Il me confirme ici l'intention du marché baissier. Regardez. La force baissière, l'intention, elle est là. Donc, je vais attendre que le prix ensuite remonte, vienne checker ma zone, d'accord? Voir si le prix ne va pas plus haut que la zone, s'il s'arrête dans la zone. Il peut prendre la liquidité, venir un peu en haut si possible. Il peut, logiquement, pas forcément. Il peut juste faire ceci, d'accord? Venir là, prendre là. À ce niveau-là,
Et à partir de là, bien sûr, il va se balader un peu là comme ça. Tac, il va revenir là. D'accord? Et après, boum, il descendra. Ok? Et l'objectif, je vais les donner tout en bas. 80%. Ok, le risque, là, ça se tente. Le sell se tente. Ceux qui veulent le prendre, voilà. Sinon, vous attendez plus de confirmation. Je vous le donne. Après, si vous voulez le tenter, moi personnellement, je vais le tenter avec un SL très serré. D'accord? Comme ça, si le prix, eh ben, il sort trop fort de la boîte par le haut, eh ben, je sors avec une petite perte. Mais par contre, s'il part, eh ben, il va me donner beaucoup. Donc, je vais le tenter personnellement. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de suivre, hein. Ça, c'est votre choix personnel. Moi, je vous partage ce que moi, je vais faire. OK? Là, regardez, j'ai une vague 1, une vague 2. Une vague 3, une vague 4, impulsion 5. Ça me confirme qu'il peut faire une correction, bien sûr, en A, B, C. Ok, voilà. J'ai regardé ça déjà en H1. Donc, possibilité, bien sûr, qu'il vienne ici prendre ici le AR ici. D'accord? Sinon, vous, si celle ici, s'il vient breaker la structure là, vous pouvez sortir ici sous la ligne blanche des 1,28. Donc prendre à 2 et sortir à 1,28. Si vous voulez que ça soit secure. Ici, on a un price delivery, donc un déséquilibre de marché qui doit être comblé. On est arrivé ici sur la continuité de tendance. Je l'ai tracé au 2,618. Pas n'importe où. On est arrivé au 2,618 par rapport à cette première impulsion et à ce retracement. Voilà pour Fantôme. Moi, je tente le sell. Si vous voulez suivre, vous suivez. C'est votre choix. N'oubliez pas, c'est votre choix personnel. Moi, je vous partage ce que moi, je vais faire. D'accord? Moi, j'ai l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude de sell, ne rentrez pas, ne le faites pas. Si vous êtes un holder, eh ben, attendez que le prix soit intéressant pour l'acheter. Le prix intéressant pour l'acheter, il sera là, dans les 0,15. Il va revenir au 0,15. Mais pour ça, il va faire, bien sûr, son bonhomme de chemin. Si vous voulez, bien sûr, l'acheter, si il descend dans la zone ici. Donc je vais vous la mettre la zone. Je vais vous mettre un trait pour que vous puissiez voir. La zone ici, elle est à combien? Donc si vous voulez acheter, on va rentrer en zone discount. Vous pouvez l'acheter, on va dire, à partir de 0,52. 0,52. L'idéal, 0,43. Le 1,618, c'est 0,43. D'accord? Là, parce que j'ai un price delivery, déséquilibre de marché, déséquilibre de marché, j'ai le AR, j'ai un BOS baissier, donc je vois bien le prix revenir là. Voilà sur ce pour Fantôme, moi je tente l'aventure, n'oubliez pas que quand il va venir ici, il risque de faire UT, UTA, bien sûr, remonter en haut. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un beau petit sell, s'il va là, c'est nickel, parfait. Et après, avec la même somme qu'on a gagnée, on rentrera en bail pour aller chercher en haut. On va utiliser les bénéfices, et grâce à ces bénéfices, je vais, hop, utiliser ces bénéfices pour aller chercher ici en haut. Voilà, je tente moi le truc. Il y a un beau sell à prendre. Je vais le tenter. Personnellement, si le wagon part, au moins je suis dedans. Ok, je le vois bien par rapport à toutes mes confirmations. Pour l'instant, ça me va. S'il va jusqu'à là, pour l'instant, j'ai une break of structure mineure. Je vais attendre les confirmations. J'attends qu'ils reviennent ici. Donc je suis patient, j'observe. Voilà, je vous le partage, je vous partage ma vision. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à donner vos commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Ok? Ciao, ciao, bye bye.